de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est important. Et il attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes. Et elle me dit toujours tout bas. Réponds que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Et il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres ont celle de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Et dis, tu la connaissais, ma maman, avant? Pourtant, elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Écoute, le téléphone me raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Seras-tu au crochet de Nathan à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la place? Oui, j'adore me baigner, maintenant j'ai nagé. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu y as été toi, Saint-Maxime? Oh, dis-lui, toute ma peine, combien toutes les deux, moi je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu là. Et qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures, pourquoi? Le téléphone. Elle est partie. Alors, tant.